Et pas belle ma licorne. Ce programme est présenté par Starpy Productions. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions pour un petit jeu test pour vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi un jeu sympatoche. Ça s'appelle Sky, les enfants de lumière. Le lien dans la description. A tout de suite. Ah, ça y est, c'est à moi. Belle cinématique. Alors, faites glisser sur la droite l'écran pour regarder autour de vous. Ok. Ça m'a l'air joli. Alors, avant de commencer ce petit jeu, Sky, eh bien, je tenais à vous dire que je viens d'ouvrir une chaîne Twitch qui a le même nom que ma chaîne YouTube, c'est-à-dire Starpy Productions. Et puis voilà, je vais essentiellement faire des lives quand je pourrai Call of Duty, et puis sinon d'autres jeux en live, voilà, tout simplement. Je ne sais pas encore comment garder mes vidéos directement sur Twitch, et il est possible que vous voyez aussi des lives Call of de temps en temps sur YouTube, voilà. Alors, faites glisser vers la gauche pour courir. Ok, donc à droite la caméra, à gauche le personnage. Joli petit jeu, hein. Je rappelle, c'est un jeu mobile. Tiens, c'est quoi ce petit point là-haut? Ok. Alors, je peux m'accroupir, allumer un feu. Ah, non, je tiens un feu dans la main. Ok. Et je peux l'éteindre. Et ça, c'est quoi? Utiliser ces expressions pour communiquer avec d'autres joueurs. D'accord. Percer le mystère, explorer le pays de Sky pour découvrir l'histoire du monde des habitants, sauver les esprits, chaque esprit ancêtre que vous trouverez vous renseignera sur une nouvelle expression, et emplissez le ciel d'étoiles, comme l'a dit la petite démo. Ok. Ok. Alors, on va se balader un petit peu par là avant d'aller dans la porte. Ça a l'air très très joli quand même. Ouf. Je suis un petit bonhomme. Ah, oui, il me remonte la porte. Oui, j'avais compris que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Mais on peut peut-être se balader par là avant, non? Je sais pas. Il y a une grosse porte avec plein d'étoiles. Ok. Bon. Bon, on va aller dans la porte, hein, puisque c'est le jeu qui dit qu'il faut qu'on aille dans la porte. Et ben, on va aller dans la porte. Oh, regarde, là-bas, il y a une autre petite porte. Elle a l'air ouverte, celle-ci. Non? Elle est fermée? Ah ouais, non, c'est un mur. Starpy, c'est un mur. Ah, si je mets ma petite flamme, là, peut-être que je vois. Non, il veut quand même que j'aille là-bas, quoi.
C'est bon, j'avais compris. J'ai le droit de regarder autour de moi quand même. Bon. J'ai envie de sauter, mais je ne peux pas. L'île de l'aube. Voyons voir. L'île de l'aube. C'était mignon, avec la petite musique qui va bien. Ah d'accord, la porte derrière moi, elle a disparu. Bon, bah, voyons voir ce qui se trouve là-bas. Ah, c'est quand même très très joli, hein. Moi je trouve cette ambiance apaisante quand on sait qu'on est encore dans le confinement. Ah. Non, il n'y a rien. Parce que si je vais par là-bas, ouais, non, je vais tomber dans l'eau, tout simplement. Tu crois qu'elle sait nager? Pourquoi elle se... Ah, il y a beaucoup de vent. D'accord, ah, le vent me repousse. Ah, d'accord, ils ont mis un mur invisible à base de vent. Plutôt une bonne idée. Lorsque vous êtes perdu, touchez votre personnage pour appeler et révéler le chemin. D'accord. Ouais, ok. Donc si t'es perdu et que t'es comme moi, que t'as envie d'explorer l'inconnu, eh ben non. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, des trois petits bonhommes qui prient. Et ça fait des étoiles. C'est joli. Oh, comme c'est joli. Je vais vous laisser profiter un peu de l'ambiance musicale. Ah, il y a deux étoiles filantes qui sont tombées sur les bonhommes et ils ont ramassé une des étoiles filantes. D'accord. Ils ont ramassé une étoile. Oh, c'est quoi ça? Oh, des petits champignons. Ah, ils ont mis des petits champignons. Alors, qu'est-ce que c'est? L'île de l'eau. Suivez la cloche et parvenez jusqu'au temple. Ah bah jusqu'à maintenant, de toute façon, je... Voilà. Ça fait un petit peu Zelda The Wind Waker, je trouve, graphiquement. Enfin, graphiquement... Ah, je peux sauter. Waouh! Voilà, faire un de ces vols. Et on n'a pas de nom. D'accord, on n'a pas de nom. Je m'appelle No Name. Ah. La lumière alliée vous permet de voler plus haut. Voler plus haut. Voler plus haut. D'accord. Niveau 1 suivant. Excusez-moi, j'ai perdu le son. D'accord, j'ai une petite cape maintenant. Oh, elle regarde encore en haut. Qu'est-ce que c'est joli. Ah d'accord. Ah ouais, je peux m'envoler. Ah ouais. En sautant, je peux vraiment m'envoler, quoi. Ça, c'est quoi ça? Maintenez le bouton bas droit pour consommer de l'énergie et vous lever. D'accord. Ah, mais j'en ai plus de l'énergie là. Maintenez, elle a dit. Il n'a pas dit appuie juste une fois. Oh, je récupère de l'énergie avec les papillons. Oh, petit papillon. Oh, il y a un bateau échoué. Un drakkar. C'est le désert. Tu crois que je peux aller partout dans le désert? Si j'appuie sur le personnage, il me dit d'aller là-bas. Ben moi, je vais aller voir ce qui se passe un peu ailleurs autour de moi. Ah ouais, je peux carrément faire de sacré. Waouh. C'est joli. Comment que c'est chouli? Les créatures de lumière rechargeront votre énergie. D'accord. Donc là, je suis plein en énergie. Ok. On peut pas avoir plus d'énergie que ça pour le moment. Petit drakkar pour exposer. Plein sud.
Oh, il y a des bougies. Tu vois, si t'appuies sur le feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, les drakkars qui s'envolent dans le ciel pour attraper les étoiles. C'est un petit jeu d'exploration apparemment qui est très 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 sympatoche. Alors, je vous conseille de mettre un casque et d'écouter cette ambiance relativement apaisante. Tel moi. Alors attends. Ah, j'ai épuisé toute mon énergie. Nul. Nul, Starpy, nul. Alors on va suivre les totems. Et on va aller là-bas. Ah, la fameuse cloche du temple. Ah, s'il peut plus voler. Tu vas aller là-bas. Là. Je vais récupérer un peu d'énergie avant. Avec les petits papillons de lumière. Papillons de lumière. Ah, bah non. Ah, par contre, je peux planer quand même. J'allume ça. Sauver des esprits dans cette constellation pour continuer. D'accord. Donc il faut que je retourne en arrière et que j'aille sauver un esprit. Ah bah elle est déjà là. Elle a avancé toute seule. Ah, faut que je l'enflamme. Enflamme l'esprit. Là, faut que je suive l'esprit maintenant. Ah, il a touché la paroi. Ça a fait des scribouillis. D'accord. Alors, toutes les étoiles, il est mis dans le château de Walt Disney. Ah, faut que je m'assoie là. Je m'assois. Je vais contempler un peu. D'accord. Et les étoiles, ils l'ont donné à un grand. Un petit vieux. Et le petit vieux les a mis dans le ciel. C'est joli. Et attends, il y avait un autre truc là-bas, non? Ah, peut-être plus tard. Non, je peux pas encore y aller. Ah, j'aurais dû sauter de plus près. Bon, ben, je retourne en arrière. Ah, l'esprit, il est là. Ah, il regarde là-bas. D'accord. Ah, il y a encore un autre esprit. Elle monte. Elle est pas très très forte en escalade, hein, par contre. Ah, ça y est, j'ai littéralement sauvé l'esprit. Ah, je peux faire un geste de la main. Ah, c'est le fameux château. Ah, j'ai raté. Il était réapparu, j'ai raté. Ah, il s'en va. Ah, c'est une étoile. Il s'est transformé en étoile. Oh. D'accord, il faut que je fasse tout. Il faut que je le fasse là-bas, ça. Ah oui. Mais arrête de le faire maintenant. Quitter. Non, bah non, je vais pas quitter maintenant. Je viens de commencer, je vais pas quitter maintenant. Allez, fonce. Donc là, je peux passer. Un esprit sauvé sur un. D'accord. C'est classe hein, quand même de pouvoir s'envoler comme ça. J'aimerais bien faire ça dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Niveau 2. Ah ouais, j'ai agrandi ma barre pour voler plus haut. Touchez le bouton central pour améliorer vos ailes. D'accord. Trouvez 3 supplémentaires pour atteindre.
D'accord. Maintenez le bouton bas droit pour consommer de l'énergie et s'élever. Ah, mais là, je vais tomber. Comme une nouille. Faut que je me régénère. J'ai pas réussi à me régénérer. Je vais pas réussir. Ouais, j'ai réussi quand même. Waouh! C'était super fantastique. Je me suis envolé. En même temps, ça s'appelle Sky Starpy. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec lui? J'ai pas ça, moi. Oh, on a changé des flammes. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu pars dans l'autre sens? Là, faut pas qu'il s'éteigne. T'éteins pas. Allez, viens, on va là-bas. Game design impressionnant, hein, quand même. Impressionnant, c'est joli, quoi. C'est magique. Et où tu vas? Viens. Oh, attends, il veut faire quelque chose, lui, là-bas. Non, je peux rien faire. Là, je peux sauter quand même. Là. Hop. Ouais, mais elle l'a allumé à ma place. Ah, il y a plusieurs châteaux. D'accord, ça décrit que dans le palais, il y a trois niveaux. Ah, regarde où elle va, elle. Elle fouille partout à ma place. Hey! Là, faut que je me mette à genoux avec eux. C'est d'autres joueurs, tu crois? Ah, j'ai l'œil. C'est le fameux vieux monsieur. Eh, t'as pas mal bougé, hein? Sale vieux schnock. Ah, il est en pierre. Qu'il est en pierre. Il a fait une constellation du bâton. Je la connaissais pas celle-ci. Mais du coup, faut que je fasse. Mais je fais comment là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Une bénédiction contient un sort près des esprits déverrouillés 1. Bah oui. Votre expression est augmentée au niveau 2 pour déverrouiller. Non, mais je veux déverrouiller le cœur, moi. Vous avez reçu un cœur. J'en fais quoi de ce cœur? Bon, bah je vais déverrouiller celui-là aussi. Merci, petit bonhomme. Votre expression est maintenant au niveau 2, c'est là dans le menu expression. Bah oui, mais ah, faut que je m'éloigne. Bah, ça, je peux pas. Passer au grade pour. Ok.
Non, mais je peux pas. Comment je fais? Ah, là. Non. Donnez-leur la lumière, exprimez-vous. Ok. Donc là, je quitte. Toucher sur les mains pour l'appeler. D'accord. Toucher sur vous-même pour l'appeler. Mais j'ai déjà fait ça. Je suis perdu. Ah, d'accord. Oui, bah c'est bon, t'as pris la pause. Augmente la vitesse de récupération de la cape. Bah ouais, faire ça. Ah, pour l'instant, je comprends pas grand-chose, hein. Je sais qu'il faut que je récupère des étoiles, tout ça, mais... Waouh. Heureusement, il y a un mur invisible, j'ai failli tomber dans un gouffre. Et eux, on fait quoi avec eux? Qu'est-ce que je fais avec lui, là? Je t'allume ta flamme, tiens. Et toi, tu veux pas que je t'allume ta flamme? Ah, ils étaient en prière, eux aussi. Non, mais je vais pas te rappeler 15 fois, non, laisse-moi partir. Je veux partir. Ok. On va aller là-bas maintenant que c'est ouvert. Toi, tu fais quoi? Tu pries? Du côté gauche, je fais glisser à droite pour manœuvrer. D'accord, mais là il y a plein d'esprits de lumière là. Faut que je reste avec eux. Ah ouais, ça s'appelle pas Sky pour rien, c'est joli. Ah, regarde, ah ouais, il y a un chemin. Il y a un chemin. Suis le chemin, petit bonhomme. Ah, mais là, je vais me casser la gueule si je continue, non? Une fois votre énergie de cap épuisée, vous volez vers un nuage de créatures pour recharger. Ok. C'était quoi ça? Ah, mais j'ai plus d'énergie là. Ah, les créatures, elles sont trop. Oh là, oh. Je touche les nuages. J'aimerais bien toucher les créatures. Je sais pas où faut que j'aille, mais j'y vais. Avec panache. Ah, les nuages, ils me rechargent pour voler en fait. D'accord. Wow. Mais reviens, je vais t'allumer ta flamme. Ah bah ça y est, vous avez tous une petite flamme. Et voilà, comme ça on est quatre. Je suis coincé, avance! Ma foi, c'est très joli. Ah, mais c'est là où j'étais au début, on dirait, non? Ça ressemble à là où j'étais au début. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, je peux changer de coupe de cheveux. D'accord, je suis un garçon ou une fille. Non, moi je préférais la fille. Ah, je peux choisir des habits.
Obtenez des cœurs et offrez des cœurs aux esprits pour déverrouiller des détenus. Donnez-leur des cœurs. Blablabla, j'ai détenu. Ok. Là, j'ai la cape. Ah, attends. Donc, si je veux ça. Ah, elle est bien celle-là. Je garde celle-là. C'est quoi ça? Disponible une contestation des places d'aventure. Ok. Ok, c'est pour acheter des choses en fait. Là, je peux avoir un masque. Bah, j'ai déjà un masque en fait. D'accord. Ouais, ils me disent que j'ai déjà en fait. C'est super, j'ai rien débloqué donc du coup. Disponible dans la constellation Hill. D'accord. Constellation passée, constellation Hill. Ok. Qu'est-ce qu'il veut lui? Non, je peux toujours pas. J'avais déjà obtenu ce cœur, ok. T'es pas un peu chiant toi? Hey, reviens. Donc qu'est-ce que je fais là? Je mets une bougie. D'accord, j'ai 15 bougies. Tac, tac, tac. Acheter. Oui. On va acheter. Ah, dans un monde apocalyptique peut-être, mais faut pas exagérer. Et regarde, en bas, il y a des petites bougies allumées. Hey, rentre dans les nuages. Non, j'ai raté. Wow, j'arrive pas à me contrôler. Ah, va falloir que je finisse avec vous ce petit jeu là. J'essaierai d'en faire un par semaine. Histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Si je me perds pas. Je me demande si je suis pas retourné en arrière là. Ah. Waouh, elle a fait une glissade, c'est terrible. C'est très joli. Là, je peux aller où je veux, quoi. Waouh, elle fait des glissades. Waouh. Eh bien, écoutez, si vous avez envie d'y jouer, je vous propose de retrouver ce jeu directement dans la description. Et là, je peux remonter, en fait. Là. Je touche le nuage et hop, ça va me recharger. Trop bien. Et hop, je reprends de l'élan. Regarde, je peux aller là-haut. Je veux aller là-haut. Je veux aller là-haut. Ah, elle veut pas aller plus haut. Aller plus haut. Donc il y a plein de petits chemins. C'est de l'exploration. Alors je pense que je referai ce petit jeu avec vous. Dans un. Un sur deux. D'accord, il faut que je débloque là pour passer. Sauver des esprits de la constellation pour pouvoir continuer. Ok. Donc il faudra que je trouve un esprit. Donc il disait que si je cliquais là, donc j'ai plusieurs endroits où aller. Ok. Je continuerai ce jeu un peu plus tard, puisque ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que nous sommes sur ce test. Tiens, il y a un esprit là. Allez, descends. Elle veut plus descendre. On sauve ce dernier esprit et on regardera après. Tiens, ah, où tu vas toi? Où est-ce que tu vas? Petit bonhomme. Faut que je suive le petit bonhomme. Eh, il s'est envolé. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il me donne un cœur. C'est trop gentil, merci. Oh, t'es gentil, on se fait un câlin. Oh! Touchez votre personnage pour appeler des lumières perdues. Ah, c'est terrible, ça fait de la musique quand j'appuie dessus. Tiens, là, il y a un autre esprit. Ah, ça y est, j'ai sauvé l'esprit. Ah,
fait une musique dramatique. Eh bien, c'est une belle découverte. Je suis fort étonné. Je suis content de vous avoir fait découvrir Sky, les enfants de lumière. La petite étoile qui remonte dans le ciel. Donc, nous aurons sauvé deux esprits dans ce petit test. Alors, peut-être je ferai une deuxième partie, peut-être une par semaine, on verra. On verra. Eh bien, voilà. Je vous abandonne sur ces belles images. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ce programme est présenté par Starpy Productions.